37 de Warframe. Ce soir, on testait du Koumei et son arme, son fusil. Malheureusement, pour la Manata, comme il y avait deux lames gravetées, il y aura un petit décalage. Et surtout, j'ai déjà passé mon palier de 33 aussi, tant qu'à faire. Je sais plus du tout à quoi ça correspond, donc on va s'équiper un peu. Donc, il va être super tranquille. Donc, je vais me formater. Allez, on essaie de passer 33. Faut faire quoi? Une PC qu'une seule fois par jour. Bon, je sais pas ce qu'il faut, mais normalement les trois premiers, c'est juste du skill, des dégâts ou quelque chose du genre. Arme de mêlée. Merde, j'aurais dû prendre un truc plus tanky, genre une heure, c'est plutôt. Après, ça va être suffisant de façon. Un peu leur animation et ils sont en petit pause. Non, c'est pas moi, je ne rêve pas. Il y a un fantôme en petit pause et il y en a un qui est animé normalement dans le temps. Ils ont doublé. Ouais. Non, c'est pas du eux les mecs. Hein. Je voulais voir ce que vous avez fait, mais. D'en mettre un invisible, un des deux, le classique erreur. Mais au moins il y en a qui shoot pas, donc je suis chill. Ah si, il y en a qui tue. Et je crois que la clé de 34, ça doit être les 3 pouvoirs et les 3 armes. Enfin, tous les pouvoirs et les armes, tu veux dire. 5000 de focus en plus par jour, 500 de réputation, un cœur légendaire, ça c'est cool. Même si il n'y a plus trop de modes sur lesquels les plaquer. Des vestiges du néant. Et surtout, un échange par jour en plus. Et ça, c'est pas mal. Un micro qui fait du Larsen, j'avais pas eu. Faudrait que je reteste, mais. Faudrait que je réduise le son d'entrée plutôt. Test. Ouais, ça a l'air de très bon. Maîtrise légendaire. Hop, allez, palier 33. Palier 33. Et du coup, direction Koumei. Testing Koumei.
laisse. Viser crée un bouclier qui bloque les tirs. Si on met tir bloqué, je charge. Ah! Peut-être moyen qu'il soit broken. Une chance de statut. C'est débile comme arme en fait. Il s'appelle comment? Ingessa. Bon, pur Ingessa. 450% de dégâts et des effets aléatoires. C'est ce qu'on voulait faire, ça. Denture, je cherchais un denture. Ça bloque le don pur. J'ai rien qui suffit, Fichin. Comme une super excité. Yes. Okay. On peut pas avoir les deux. C'est ce que je voulais checker. C'est donc une arme autant de chance de statut que de crit quasiment. Au mode disposition Riven normal. En rafale. Là, par contre, il a un très long temps de charge. Recharge. Ouais, même comme ça. Ah, le chargement radioactif, tiens. Et ça déjà. C'est vrai qu'on a eu tous les modes radioactifs avec le retard qu'on a rattrapé. Radioactif. Hop. Sur le petit chat. Je ne mets pas du statut. Mais... vitesse de rechargement ressemble un peu à un poulpe, ça me rappelle autre chose, du cuphead ou je sais pas trop quoi, ça ressemble énormément à un autre design. Si on tuait un mix entre Equinox, Wisp et Concept, ou quoi comme tête, tiens. Oh. Ça fait un skin bizarre sur celui-là. On a l'impression de jouer une chèvre angélique et... Ah bon, on attendra les skins de luxe. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des super skins de luxe. Qu'est-ce qu'on cherchait? Kumei, non, Igesa, on voulait finir. Comme ça on pénètre les cibles. Une chaleur au 90. Et on met du fou statut. Du coup, tu voudrais pas bouger le petit chat? Tu es en train de faire ton petit chat. Un peu quand même. Radiation virale perforant. Par contre, les dégâts sont pas vraiment là. Donc il y a bien un tir chargé. Lui, il y a des dégâts débiles. Augmenter la cadence pour j'ai pas pris le bon. Yep. Il me faut plus de chances de statut. Qu'est-ce que tu veux, petit chat? Tu me gênes totalement. On me charge. On va dû à 0,47. Ouais. Il va falloir la cadence. Là, sinon on met du tranchant à la place d'impact, mais le tir alternatif il fait pas ça. Ouais, on va formater. Kumei, action, réaction. Le réacteur. Hop.
serait sympa. D'abord, c'est quoi ses pouvoirs plutôt? Ouah, c'est quoi son passif? Toutes les 60 secondes, lui, une arme kinétique des effets de sa tuer à la tour pendant 60 secondes. Ouais, ça c'est un peu problématique. Du coup, t'es obligé de regarder en haut, savoir quelle arme. Quelle arme fait les dégâts de statut aléatoire. Si c'est les fils du destin, ouais, ça explique pourquoi j'ai vu un mec faire full de portée comme ça. Tu subis son effet de statut et les montées aléatoires. Une triple 6 crée des fils qui infligent un effet de statut élémentaire de chaque type. À 10 fois le dé, d'accord. Les dégâts, tu fais 10 fois le dé. Donc ça peut aller de 10 jusqu'à 60. Portée, durée, longueur du fil. Ok. Chance de décrire. Ah, on peut avoir des décrets! Ah. Rejeter comme un décret sans défi. Ouais, donc ça va être de la durée qu'il faudrait, parce que c'est un peu de l'alignement de planète qu'il va falloir. Offrant une chance et les aigles vous soignent au lieu de vous blesser. De charme et de pour lancer vos dégâts. Pour la durée de vos charmes. Eh ben dis donc, ça va être Gatchalang, donc on va mettre déjà de la durée portée, je pense. Chance de blocage 50%, c'est bon. Nombre de charmes, 1 fois le nombre de dés. Okay. Oui. En fait, tu fais une rotation de 1, mais t'as 1, 2, 3, 4, 5 dés le total. Okay. Donc ça va être entre 5 et 36. 36 charmes, ça peut être des dés, ça. Statut durée, voilà, on va faire de la durée portée vu les skills. Il n'y avait pas un truc pour les armes générales aussi, j'avais cru voir ça. Statut de poison, vu qu'on va mettre tous les statuts possibles et inimaginables. On va mettre tous les archons, je suppose. Adaptation, priorité, santé. Qualité archon, je l'ai fait problème de pouvoir, ça peut prendre 2 fois plus. Ok. Leur compte. Du coup, comme les balles que je me prendrais ou les dégâts que je me prendrais, ça me sonnera. Voilà, bah, c'est une Warframe pour leur compte. Hein. Ils ont réfléchi à ça. Vider les vigueurs, les vitalités, ils ont vraiment tout nerfé, quoi.
perturbant. On va placer le point. Et gars, ça. Allez, on va tester ça vite fait. Perturbant cette tête. J'ai l'impression que d'avoir déjà vu cette tête quelque part. Si on fait un test ici, c'est vrai, au niveau 30 pour faire un sanctuaire élite. Mais Dante il a 20 000 d'armure, qu'est-ce qu'on s'en fout du par exemple. On va continuer l'event pour voir ce que ça vaut. Par contre, tu peux faire de route de l'acier, nouvel event, level 105, 115, mais tu peux pas faire des trucs level 60. Oh là là, mais il faut arrêter de faire WoW ou un moins dans ce jeu, quoi. Autant les archontes et autres, ouais, je veux bien. Allez, les mecs qui font pas trop d'efforts. Autant le truc pour XP, il est là pour XP. On a qu'un seul dé au level 1. Son arme, ça j'aime bien. Bon, faut voir si son arme est utile. Ah, ouf. Voilà, est-ce que ces gens qui meurent avant moi. Personne n'a pris l'offrande en fait. Ces fils du destin. Ah, il met une charge en bas à droite. Et du coup, il faudrait de la cadence. Sur des trucs ultra tanky à ce niveau-là. C'est une petite survie plutôt. Ouais, vas-y, je fais 8 sur 24, le pouvoir aura disparu. Ah, mais en bas, c'est les armes qui font le statut, d'accord. Thank you.
faire les tests dans une map normale. Qu'ils auront déjà fini 21 sur 24. Ah, Meza qui tue tout. Je suis en tristesse. Décret. Critique inflige un coup supplémentaire. Ok, bon, les décrets habituels quand même. Ça peut être sympa du coup si on peut stacker les décrets comme sur les maps. Décret, merde, j'ai pas regardé. J'ai pas pensé à regarder en haut pour les décrets. Oh, le fusil, c'est bien, il y a son. Il y a un boubou intégré, why not? Sur le bout, c'est ça? L'élimination et les tirs bloqués. Comment une élimination peut être bloquée? C'est pas pratique contre les infestés. Qu'est-ce qu'on peut les faire? Pour aller faire des tests. Il y a quoi faire dans les zones nocturnes? Ah ok. Ah, Kubro ou Kavat, oui, pardon. Ah si, j'allais dire, c'est pas un Kavat, techniquement non plus. Si, c'est Lios qui scanne les cibles. D'accord.
comtesse, le gros laser. Du coup, c'est pas ouf si t'es obligé de charger pour qu'il y ait un gros laser. Pratique sur les survies ou autres. Quelle mission de longue durée. Viens aller faire ça. S'il y a des gens. Non, personne. Ah, tant pis. On sera dans un coin, on prendra toutes les balles dans le boubou et puis on verra ce que ça donne. Si on pire, jamais le cours, quoi. Chargé. C'est un tir chargé. Voilà, on va prendre un autre du corps, quoi. Mais qui dépêche, je me reste tout seul, les gens. C'est vrai que j'ai toujours pas corps Rex, tiens. Donc il défonce les chiens, enfin les armes. Ouais, c'est un peu comme le Batacor où t'as un tir alternatif qui. On peut rejeter le Mikuji et relancer. Éliminer des ennemis avec une... affectés par le statut de glace. Possible ça. Intérêt à jouer pur multi-élément.
jeter le Mikuji aussi, pareil. Poison. On joue pas trop poison, on joue viral, on joue des grosses statues, nous. Il va falloir qu'ils changent leur truc parce que s'il faut faire des statues basiques, alors ça prend peut-être en compte le poison aussi. Après, c'est des décrets, il faut vraiment faire ça sur le long terme et du coup, à la fin, tu fais tous les statues. Le problème, c'est que faut arriver à kill avant que les autres tuent. L'éternel des vins. Ça roule les dés à chaque fois avec le slide attack, il n'y a pas de problème pour les faire. Même si j'ai pas vraiment une arme de slide attack. Faudrait que je retrouve une arme de slide attack du coup. Même pas le temps de faire mes tests. Hein. Surtout soit des dégâts de statue, soit du slide attack. Un assassinat ou le hall. Ah, le relou. Ouais, non, on peut éviter de le faire. À chaque fois que tu lances un skill, ça re-roll les dés, c'est un peu dommage ça. Enfin, c'est bien de fixer les dés avec un skill et relancer. Ah bah, en plus, en Arcwing, j'avais pas vu. Donc. De faire de l'Arcwing en route de la CMU. Le nom de sortie. Je
Ah si, j'allais dire, il y a plus qu'une seule bulle maintenant. J'ai vu une en bas, donc. Oh là, les gens arrivent encore à se perdre en 2024. Bon, c'est des petits paliers, mais quand même. Que je suis pas allé chercher mes trucs d'essence aussi. Bon, bah pour l'instant mitigé sur couvert. Pour une désertion. J'aime pas faire du sanctuaire bas level parce que je vois pas trop l'intérêt. Ici. Je sais pas, moi, dès que t'es en niveau légendaire, débloquer tout, quoi. En général, on anticipe. Toujours une arme qui fait des dégâts. Cadence de glissage. J'aime bien, ils ont enlevé le slide d'attaque pour mieux le remettre. C'est un peu débile. Voilà. Gagner plus un saut, les coups de pied glissés infligent du poison. Ça a pas l'air de disparaître. Ok. On va lancer le suivant. Mural, moi ça me. C'est pas le plus compliqué, on va dire. Surtout avec un corps. Bon, les conditions à faire en teamplay, c'est plus ça le problème. Genre de frame qui veut faire en sorte que personne l'utilisera. Il faut trop d'alignement de planète pour arriver à faire ce qu'il faut. Thank you.
attaque en allée sont imprégnées de feu, 70% de feu et 20% de chance de statut. Ok, bien sûr. Sur du haut level, ça devient vite compliqué à faire sur de magouille, je trouve. Il y a 1000 fois plus vite. La quantité de kills que ça demande, je me demande si c'est pas un décret là. Éliminer 25 ennemis situés à 20 mètres. Ah oui, plus loin que... Ok, c'est l'inverse maintenant. Qu'il soit situé... Ouais, c'est quand même super conditionnel. Après, j'avoue qu'avoir les décrets en mission, c'est fort. L'idée est bonne, mais mise en situation, teamplay et autres, pose plus problème qu'autre chose. Tire à terre, gagne 50% de dégâts pendant 3 secondes, c'est cool. Voilà, du coup le décret il est à 30 secondes actuellement. Je fais un décret à 30 secondes. C'est un peu comme même échelle, troisième pouvoir, ça pète les charmes qui annulent les dégâts. Okay.
générer de la vie à chaque fois. Mercredi. Sœur de mana, s'il vous plaît. Petit level. Je suis 28, donc c'est mort le level, je pense. En prison. De dodu. Armes explosives ou chance de statut plutôt pour pas trop se prendre la tête. Nucor est pas trop mal. Et avec. Armicias, c'est où Et à chaque seconde de déplacement, ce qui nous disparaissent, c'est plus le temps pour lire toute la suite. 40 secondes le prochain décret, ce qui pense être relativement long. Je continue de faire mes tests. Sur 64 hein. Ouais, ce décret de l'infini. Heureusement qu'on est plus que deux hein, en vrai, parce que du coup faire ce genre de décret à 4 c'est limite impossible hein. Bien avec un petit maître syndicat qui fait que t'as un haut taux de chance de faire des 6. Thank you.
si avec tir augmente la cadence de tir de manière cumulative. J'ai 46 secondes pour le prochain décret. Je me demande s'il ne faudrait pas réduire la durée en fait. Comme ça, tu fais un build décret. Il y a intérêt de clean toute la map avec un build décret. C'est un pouvoir en un peu plus. Quatre-vingt-douze secondes pour le prochain décret. Je pense que Koumin est bien pour les missions très 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 longues, mais comme en général, les missions très longues, c'est de la survie une heure. Faut que t'aies le temps de faire les kills sans que tes alliés tuent. C'est ça le problème en général. Décrets qu'on a sur la tête, je m'attendais à plus de décrets, enfin plus de statues en haut à droite. Décrets sur bah, en glissant, je sais pas ce qu'il faut là. Lancer de skill, ça fait des dégâts absolument débiles. Non, j'ai rêvé. Ah, mais c'est en glissant maintenant. Ah oui, mais c'est vrai qu'on n'a pas les armes Queen. Ah,
trop conditionnel, je trouve quand même. Des choses à revoir, il va être comme Caliban mis au placard pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il y ait un bon rework. Tant pis. Hunter Hunter. Juste vérifier si en réduisant la durée on n'a pas le... la réduction du décret. Pouvoir. Chance de décret rare 15%. Limite de temps de recharge. Jouer que pur décret. Ouais, il est pas assez clair. Hein. Attends. Ouais. Ah oui, parce que c'est, y a plus de puissance que là-dessus. Qu'est-ce qui a affecté les dégâts de l'ulti, la portée, la durée? L'ulti de puissance. x5 ou 32 x 36, c'est trop aléatoire. Alors, autant titanien, j'avais une époque, à une époque j'avais une idée de build débile et je l'ai mis en place et il est OP, mais autant elle, pour moi il faut un mode syndicat ou le rebuild. Ou alors peut-être avec son autre arme que j'ai pas encore, c'est vrai qu'elle a une arme glissante. Son fusil, je le trouve pas ouf, c'est dommage. Pour un truc de statut aléatoire. Peut-être l'arme de mêlée, parce que les armes de mêlée en statut, en général, ça peut être ultra violent. Mais du coup, ouais, je pense qu'elle va aller prendre la poussière, malheureusement. Tiens, est-ce qu'il n'y a pas Horreur, Liseur, non. Pouvoir aller XP un peu, sans récupérer XP. On va faire ça à l'occasion, vu que j'ai un double XP en attendant. Et quelle heure il est, ça va? Moi je ferai une pause avant de lancer Silver ou. Ouais, je n'ai pas trop envie de faire de RPG sur ou du Sunken Land. Et alors, s'il y a d'autres qu'on n'a pas XP dans toutes ces bêtises. On va choper l'arme de Jade en mêlée. Ouais, je suis vraiment à la traîne. Hein. Tout ce qui est principe, on l'oublie. Amanata, c'est en cours. Ça, c'était du spécial. Ça doit être les armes spéciales sur les plaines. Je sais plus comment ça s'appelle. C'était qui lâchait du Mondonel? Ouais, c'est la dernière zone. Donc, c'est encore du Duviri. Faut aller chercher l'épitaphe Prime. Hein. Faire de l'épitaphe Prime. Voilà. Together. Now get up.
Slack des formats sur une warframe qui va prendre le poussière. Je vois pas ce que je peux en tirer d'ailleurs. Aléatoire entre 5 et 36, les vestiges qui sont pas ouf niveau dégâts. Et que le seul truc intéressant, c'est le décret. Mais... formater comme ça, ça sera fait. S'occuper, aller faire, faire, je voulais faire quoi d'ailleurs? Des reliques. Survie conjonction. Ah non, peut-être pas en route de l'acier, ça sert à rien. Non, casquette du néant, on va mourir. Donc on va aller en survie en route de l'acier. Qu'est-ce qu'on a looté en clatante? Les affinités. Bah si. Regarde, je vais dire au fur et à mesure. Donc un rôle de la cible. Forcément, ce que je me fasse vaporiser, j'espère qu'il y a un dent. Allez, on se dépêche là, j'ai un délai moi sur mon écran. Oh, il a quitté parce que il a trop peur que je me remboucle. Vraiment pas pris en compte le multi, c'est pas possible. On joue pas coup de crasse, t'es bien gentil.
tu pars, je me la sors. Bon, vas-y, on va switcher le Mikuji là. Celui-là, vu qu'il n'est pas trop faisable sur du bout de l'acier, avec l'armement actuel. On va le rater plus au final. Allez, par contre, quand j'ai le truc de statue sur le nucor, ça fond bien. Hein. Statue aléatoire en plus. Ben, ça tombe bien parce que Wisp, je crois pas qu'on l'avait en prime. Donc, on fait devenir. Qu'est-ce qu'on a d'autre en éclatant là? Éclatante, comme ça ils mettront des trucs qu'on pourra gâter. Pas les dégâts pour. Ça va être excessivement long. D'ailleurs, si augmenter la puissance, augmenter le nombre de dés à 6, ce serait peut-être pas mal pour les tester. Je monte très fortement.
Ah, j'ai glissé, non, c'est un champ. Tiens, si l'union augmente la puissance de pouvoir. Purement aléatoire, on est d'accord. Ah, ça augmente un peu le nombre de 6 ou c'est ma. Non, purement aléatoire. De la santé, oh, c'est classique ça. Ouais, donc il y a bien des trucs intéressants qu'il faudrait l'attack speed par par décret, je crois. Donc il faudrait les décrets rares. Ce serait intéressant, mais encore faut-il avoir les décrets rares qu'il faut. Mouvement speed et attack speed par décret. C'est son petit potentiel, mais il faudrait de la survie bas level très longue durée en fait. Non, si l'objet déjà, shake dans le stock, il n'y a rien dans le stock. Donc, ouais, bah, l'éducat. Hein. C'est le problème, c'est qu'il faudrait des dégâts tellement insane que je puisse enchaîner les kills. Ça me dit rien. Faut que tu fasses l'équivalent des dégâts de toute la team. Ok, t'as tout compris. Que je ressorte le glaive prime pour un, parce qu'avec les rebonds explosifs peut-être que ça ferait assez de dégâts pour faire de la glissade en mêlée. Qui les tue, ces maisons.
est-ce qu'il y a des ennemis et pas, la maison. J'en peux plus. Yes. Tir de rechargement 200%. Ça c'est pour du build snipes, hein. Un coup de main snipe. Concept. Encore faut-il avoir le décrire et qu'il faut au bon moment. Attendre 100 secondes avant bon, le retour du pouvoir. Bon, on va recharger le fusil à pompe. Il faut soit le faire lag, soit le fait de main en tant qu'arme principale. Mon cœur commence à être vraiment trop à la traîne. On a l'item peut-être à l'arrière. Je crois qu'il est un peu à la traîne ici. Le pistolet incarnant. On a tant de thunes. Qu'est-ce qu'il voudrait cher? Sûrement les shapes plutôt. Mais une petite dernière. On ne peut pas raconter une seule parole. Pourquoi il en relance une? Un peu bugué. Oh non, une prise murale.
faire les deux, tu aurais pas le temps, c'est ça. Exactement. Qui est un petit peu. Tiens, yes. Un coup supplémentaire. Ah. Critique, nous font double attaque. Ça va être pas mal. 22 millions de dégâts. Il est. Faut être temps de le voir. Hein. Je vais
rester sur le nom forme 1, j'en ai peut-être plus beaucoup de plans. Nautilus, ça me dit rien ça. Nautilus Prime. Sentinelle que j'ai pas pris. Hop. Parce qu'on est trop nombreux. Écrire un truc à 15% de chance.
Ouais. Peut-être si on avait plus de chances d'avoir des décrets rares, mais je vois pas comment monter la chance d'un personnage. Ça va être une nouvelle stat qu'ils vont rajouter sur les Warframes. Aussi, ça fait un moment. Et direction la sortie. Et non, il y a les trucks. Ouais, magnifique, triple format. Récupérer les trucs trucks. Et je pense qu'on va sortir de la mission. Choper du Wisp au moins, le rare de Wisp, avec un peu de chance on peut peut-être le crafter, je sais plus ce qu'il nous manquait. Non, il n'y a pas les spécimens. Hein. Les tracks. Ah si, je le disais aussi. On va récupérer les tracks avant de se barrer. Il me fallait encore des plasma trucks. Il faut tellement de tout le temps. Je sais pas comment la décrire. Je choque le skin, t'as l'impression que c'est la première Warframe MMO, quoi. Mèche sur le côté. Non, n'oubliez pas de faire demi-tour, j'ai la flemme. Souviens-moi trop de ces. De ces frères, 195 quand même le level, je vais même pas tilter. Cochonnerie habituelle. Bon, bah, du coup, on a fini de faire l'art, c'est le premier. Voilà, conclusion de Koumé, faut attendre les rework ou les médecins des caves. Parce que là, les décrets sur le long terme, t'as intérêt d'avoir un sacré alignement de planète des décrets rares. C'est vraiment le seul truc qui est vraiment intéressant. Mais hormis la durée portée, quelques peu de dégâts pour le peu qu'on fait, j'ai l'impression que les pouvoirs sont pas ouf. Enfin, les améliorations de mode pour les pouvoirs. Pourtant, j'ai tous les archontes. Hein. Mais que des statues aléatoires, donc l'effet de statue, ouais, c'est bien. Ouais, bon, on a fait le tour.
s'il n'y a pas une petite Wispate Spell. Wisp Prime. Châssis, Neuro. Tu vois pas le système ni le DP. Tristesse. Qu'est-ce qu'il y a dans les Prime qu'on aurait raté? Les Zafuris qu'on n'a pas fini. Non, là je suis en bas. Classe on a, bon si on a. Bazabo, Bor, on a, Bonco. Charge, j'ai plus de Bonco en stock. Ok. Chrome, on est bon. Bor, Onglin, Equinel, Sanglin. Fulmine, manque la culasse. Il va falloir que je fasse de l'achat-vente à un moment, ça ira plus vite. Le garage, je crois qu'on avait, il y a ça. Garouda aussi. Gosse, ce qui nous manque. Tiens, Gosse, châssis, il manque juste le système. Je crois qu'il y avait un bloc-notes. Ah oui, mais sur l'ancien PC. Je refasse toute la liste de tous les trucs qui manquent. Une partie du gosse, l'expérience beaucoup. Y a rien qu'on peut lancer là. Chanteuse-main, on manque les trois parties. Tatsu manque toujours le manche. Donc à la rigueur, il y a Tatsu, Goss. On pourrait finir rapidement en faisant de l'achat-vente. Ils ont manqué un du prime. Il faudrait que j'aille faire surtout du Duviri, je pense, pour acheter les armes. Alors ça finira en PL parce que farmer des Eurowirm en boucle. Sachant que t'as besoin des ressources Eurowirm pour les armes incarnées aussi. Ouais. Je reste mitigé. Demande à la Manata à tester. Il faudrait aller chercher. Ah, le glaçon principe, il faut aller chercher aussi. J'aime bien que j'oublie un truc. Ok, ok, bon bah on fera ça un moment. Il n'y a pas trop de prime, il y a surtout des trucs à farmer par-ci par-là. C'est pour. Ah, si, c'est pour l'autre. Ok, je vois. Je vois, je vois. Là où il y avait Dante. Bon, allez. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée, on se trouve tout à l'heure, j'hésite entre Sunkenlon et Silver, donc on verra en fonction de la motivation. Sur ce, à tout à l'heure, tchou.